Au cœur de notre vignoble Sauterne se trouvait un village aux six châteaux prestigieux, Bommes. Au milieu des vignes et de la forêt des rives du Siron, vivaient des animaux doués de raison. On ne les voit pas toujours, mais leur esprit et un peu d'imagination nous réchauffent le cœur. Chaque jour, depuis la nuit des temps, renards, sangliers, chevreuils, volatiles multiples passent leur journée à gambader, perpétuer une famille ou faire des farces aux chasseurs. Ils façonnent ensemble, à leur manière, une belle histoire de notre existence. Dans ces mémoires de la forêt, vous trouverez consignés dans le registre de la nature des destinées grandioses d'animaux qui ont foulé ces bois, ces vignes, animées par l'esprit d'aventure ou d'imagination. Quoi de plus beau que de créer de nouveaux souvenirs et encore plus satisfaisant de réussir à les écrire pour les partager avec ceux que l'on aime et les transmettre aux prochaines générations. Croisons très fort les pattes pour admirer Janie et Henriette les chouettes, Jean-Rémy le hibou dans le grand chêne, ou Roger, le grand cerf qui s'abreuve près du lavoir. Il y a aussi toute la harde et les sangliers, Michel, Marc, Simone, Stéphane, Bernard, qui fouillent le sol à la recherche de glands sous les tyroliennes du parc. Titi le renard est assez malin pour attraper Jeannot ou Maryse. Pas très loin de la berge du Siron, Jeanne, Gilbert, Marie-Jeanne, Alain, toute la discrète famille Ragondin attendent des moments plus calmes pour quitter leur terrier. Quand ils tirent leur révérence, que le rideau tombe, ne doutons pas que les esprits des anciens se réincarnent et hantent ces lieux qu'ils ont tant aimés, tout près de nous, parmi nous. Ne les oublions pas, faisons-les vivre. À toi, Philippe, fais péter le feu, mets en plein les yeux, plein les oreilles, surprends-nous, envoie la musique, crée des étoiles nouvelles, illumine le ciel de ce bout de paradis.